Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture de 5 livres que j'ai lu il y a très longtemps, donc mon update ne sera pas forcément des plus précis et des plus récents. Si... Voilà, ce sera vraiment ce que j'en ai retenu. Puisque j'ai beaucoup de retard et j'ai décidé d'arrêter de filmer en avance, par exemple là, et de vous le poster dans 6 mois. Ça sert plus à rien, ma tête change, pas tant que ça. Voilà, mais voilà, l'ambiance, la déco, si je vous fais une ambiance déco Noël derrière et que je vous le sors en plein mois de juillet, ça vous donnera envie que ce soit Noël, mais ça sera pas le cas. Donc j'arrête de perdre du temps et je passe directement aux updates lecture. Donc il s'agit du tome 0 de Alpha et Omega, écrit donc par Patricia Briggs aux éditions Milady. Concrètement il est pas épais, on peut commencer par le tome 1, mais je vous conseille quand même de commencer par le tome 0. Il y a un ordre à suivre avec les Mercy Thompson. Je ne suis absolument pas dedans, j'ai lu d'abord les Mercy Thompson et ensuite j'ai lu les Omega. Mais franchement, ça se tend, ça lit, on se dit « Ah oui, c'est à ce moment-là, donc c'est normal qu'elle soit dans tel état », enfin voilà. Donc là, c'est la rencontre entre Anna et Charles. Charles qui est donc le frère adoptif de Mercy, puisque c'est le fils de Bran, le Maroc. Plutôt badass et qui fait peur à tout le monde, puis c'est lui qu'on envoie pour tuer les loups qui pètent un câble ou qui ne respectent pas les lois, ou des loups qui sont dangereux pour tout le monde. Et Anna donc, qui va être une jeune louve, c'est elle qui l'a appelée, puisque elle se fait que concrètement hein, violée, martyrisée par tout son clan, et il y a un truc qui cloche puisqu'il y a de moins en moins de membres dans sa meute. Son chef de meute ne fait pas remonter à Bran. Donc c'est pour ça que il arrive et c'est elle qui l'héberge et ça va être la rencontre, puisqu'on sait qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Donc c'est plutôt sympa, moi ça m'a fait plaisir quand je l'ai lu pour retourner dans le monde de Mercy Thompson en attendant la suite. C'est une saga sur laquelle j'avance. Si vous avez lu mon dernière vidéo sur mes sagas en cours, vous savez où j'en suis. Donc cette saga j'ai lu après donc le tome 1, 2 et 3 déjà, puisque comme je vous dis, ça fait longtemps que je l'ai lu. Donc, nouveau livre que je vous présente, puis ça fait juste de 3 jours dans la peau... non, pas dans la peau. 3 jours dans la vie de Paul Cézanne, écrit par Mika Birman. Donc là, on est aux éditions Anacarsis. C'est une petite maison d'édition. Donc c'est un petit livre aussi, il fait moins de 5 pages. Et c'est une fiction. C'est une fiction dans celle où il imagine comment ça pourrait être pendant 3 jours dans la vie de Paul Cézanne. Paul Cézanne qui est un peintre aixois. Donc de Aix-en-Provence, qui est donc un peintre dont j'ai déjà vu quelques œuvres, puisque ben, j'ai de la famille à Aix-en-Provence et que le musée Paul Cézanne se trouve là-bas et que je suis allée le visiter. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut me changer, c'est clairement pas une lecture passion, soyons honnêtes. Par contre c'est sympa de se plonger un peu dans le quotidien qui est de l'époque, qui est pas si vieux que ça, hein. Il me semble que Paul Cézanne quand même était... Il me semble qu'il est du 20e siècle si je dis pas de bêtises. Mais les mœurs c'était pas les mêmes et clairement on voit que la place de la femme c'était pas du tout la même. Et Paul Cézanne était un peu un reclus sur lui-même, il sortait pas beaucoup. Et il y a des moments avec ce que j'ai lu, je me demandais s'il était pas un petit peu psychotique. Mais ça je vous laisse le découvrir si vous avez envie de le lire, ça peut être toujours sympa. Et si vous devez le prendre, je vous conseille quand même de le prendre en neuf. Puis c'est une toute petite maison d'édition et ça lui permet de survivre. J'ai l'impression que je passe vite hein, sur les livres cette fois. Ça va pas durer 3 pompes peut-être. Enfin bon, peut-être pas pour le dernier. Donc là je vous présente La mort n'est qu'un début, donc c'est une double plume, donc de Ambelin et Ezekiel Kouaimulina, je suis désolée si j'écoute écorche leur nom. Donc c'est chez Rajo, donc ça c'est une épreuve non corrigée que j'ai eue, donc il était sorti fin janvier de 2020. Qui est assez intéressant, c'était un jeunesse mais il a une construction assez étrange. C'est-à-dire que... On suit un père et sa fille. Sa fille est un fantôme puisqu'elle est morte il n'y a pas très longtemps. Et elle le suit ou le hante, ça dépend comment on le voit. Pour pas qu'il se sente triste. C'est pour la raison pour laquelle elle reste. Pas forcément la meilleure façon puisqu'il voit sa fille morte tous les jours. Ça lui rappelle justement qu'elle est morte. Et donc elle veut l'aider dans ses enquêtes puisque son père est donc un policier. Un commissaire d'ailleurs peut-être, je sais plus. Ça se passe en France, hein, je ne l'ai pas dit mais ça se passe en France. Et il est envoyé sur une enquête qui est censée être une enquête facile pour qu'il reprenne tranquillement le boulot après la perte de sa fille. Puisque maintenant, non seulement il est veuf, mais en plus, il n'a plus d'enfant. Qui est mort dans un accident de voiture, rien d'extraordinaire là-dedans. Et ensuite, on a une autre partie qui est une sorte de partie qu'on a l'impression que c'est une sorte de rêve, un truc parallèle.
qui est un peu étrange, même sur les quitteurs c'est un peu haché. Au début j'avais du mal à suivre, après j'ai compris. Puisqu'on voit plus tard que c'est une fille qui nous raconte ce qui s'est passé et ce qu'elle a vécu sur l'enquête, justement. C'est un lien avec l'enquête. Je vais pas tout vous dire si jamais ça vous dit. Mais c'est intéressant pour avoir justement une autre vision de la mort et d'aborder le deuil avec. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui le veulent. Et je pense par contre qu'il y a une suite, qu'il y aura une suite, donc j'espère que ça y sera, puisque c'était assez intéressant. La partie étrange, voilà, on est vraiment sur quelque chose où il n'y a pas beaucoup d'écriture, comparé à la partie où c'est romancé, où on voit de suite la différence. On sait dans quel monde on se retrouve. Et franchement, j'aime beaucoup et j'ai vraiment envie de lire la suite pour le coup. J'espère qu'il y en aura une. Troisième livre, celui-là il va vous surprendre, il s'agit de Isodara. Il s'agit de Isadora Moon, va à l'école, écrit par Harriet Muncaster, donc aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Donc concrètement, c'est du très jeunesse. C'est à partir de 7 ans. Je ne l'ai pas lu pour ma classe, mais ça aurait pu. C'est, voilà, hein, on est sur des images, c'est écrit en gros, voilà. Mais c'est sur le thème de la différence, c'est-à-dire de quand on est un peu différent, puisque cette jeune fille qu'on suit, son père est vampire et sa mère est une fée. Donc elle est mi-fée, mi-vampire. Donc elle a à la fois les pouvoirs d'une fée et d'un vampire, elle ne maîtrise pas bien ni l'un ni l'autre, mais peu importe. Et donc ça veut dire qu'elle n'a pas sa place dans l'école des humains, elle n'a pas sa classe, puisqu'elle n'est pas humaine, hein, mais pas du tout. Elle n'a pas sa classe à l'école des fées, puisqu'elle aime quand même être une chauve-souris et vivre la nuit, hein. Elle n'a pas sa place à l'école des vampires, puisque son gâteau arc-en-ciel, elle y tient. Je sais plus si c'est un gâteau arc-en-ciel, mais voilà. Elle aime aussi le rose, enfin bon. On est quand même sur des gros stéréotypes. Et donc c'est sur le fait qu'on différence, accepter ses propres différences et voir que les autres peuvent nous accepter. Je trouve que c'est un thème assez intéressant à voir. Puisque, je vais vous spoiler, hein, puisque je pense que ce ne sera pas forcément une lecture pour vous. Au final, elle va finir par aller chez les enfants, puisque elle est. Ils vont plus. Enfin, elle s'y trouve plus proche, donc elle va être chez les humains, puisqu'elle n'aura pas les contraintes de ce qu'une fée attend d'elle, ou de ce que les vampires attendent d'elle. Et ça lui permet de matcher ses deux moitiés, entre guillemets, et aller avec les enfants qui passent devant chez elle tout le temps, et elle a envie de voir comment est l'école humaine. Donc c'est assez intéressant, vraiment très très jeunesse, plutôt typé fille si vous voulez mon avis. Je sais ça fait un petit peu genré, mais c'est pas. Je pense qu'il y a certains garçons qui vont le lire, c'est pas un souci. Par contre si vous avez, si c'est pour offrir à un garçon qui est vraiment très misogyne, je vais dire le mot, hein, c'est souvent par l'éducation, hein, on dit ah ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Faut éviter de le faire maintenant ou du moins éviter. Mais voilà, si c'était un enfant qui a été comment dire, éduqué avec le rose et pour les filles, ça va pas forcément lui plaire, surtout qu'il y a des paillettes sur la couverture. Si c'est pas le cas, allez-y, foncez et profitez-en si vous voulez lui faire aborder le thème de la différence. Je sais que c'est un peu. Parler des genres, etc. sur internet, bon, j'ai pas beaucoup d'audience, donc voilà, mais c'est souvent, comment dire, piégeux, sachant qu'on n'a pas le droit d'avoir un avis différent maintenant. Mais je vais pas lancer sur sur la cancel culture parce que voilà, je pense qu'on peut tous avoir des idées différentes et au bout d'un moment, quand on parle de la réalité du quotidien, on n'est pas non plus au moment où on arrêtera de dire fille garçon. On n'en est pas encore là, même si ça serait bien qu'on passe à l'humain. Dernier livre de cette update lecture, il s'agit de La Fourchette, la Sorcière et le Dragon. Donc c'est le premier tome des légendes d'Alagaësia, livre 1, donc de la saga Eragon, qui pour ceux qui ne le savent pas, en réalité s'appelle la saga de l'héritage et non Eragon. Donc par Christopher Paolini, donc aux éditions Bayard, c'est une version hardback où il y a du foil de quand même sur la tranche, partout, elle est magnifique. On a une carte en couleur. Et l'intérieur, bon, c'est pas extraordinaire, mais on a vraiment des petits dessins sur le côté. Et il me semble, puisqu'on a trois petites histoires à l'intérieur. Non, il n'y a pas. Ah, si, si. Avant chaque nouvelle petite histoire à l'intérieur, on a une petite image pour introduire donc la nouvelle petite légende. Donc, c'est faut pas le voir comme une suite d'Eragon, puisque je pense que c'est ce que ça. Ce qu'attendaient les lecteurs, puisque j'avais lu des mauvais avis à cette époque dessus. C'est vraiment des petites histoires pour ceux qui ont joué comme moi à Final Fantasy. Faut penser à Final Fantasy 9, on a des petites cinématiques qui nous permettent de voir ce que vivent les autres personnages qui sont à côté, mais pas avec nous au moment où on suit l'histoire d'avancer. Voilà. C'est un peu ça. On va voir une partie donc avec
Donc la première histoire, c'est avec Murtagh, donc qui est son demi-frère, si vous n'avez pas suivi. Donc sur sa quête pour trouver des informations, etc. Qui va croiser d'ailleurs une petite fille. Ça va être assez drôle puisque on va la... je pense qu'on la reverra plus tard, cette petite fille. Et donc avec son dragon, évidemment. Je pense qu'à partir de ça, on sait d'ailleurs qu'il va y avoir un futur méchant qui annonce la suite de la saga de l'héritage des Dragons. Puisque j'ai lu il y a au courant de l'année dernière une interview donc de Christopher Paolini qui disait qu'il était en train d'écrire la suite de la saga de l'héritage. Donc j'ai qu'une hâte, c'est que ça sorte. La deuxième histoire, on va se retrouver avec la sorcière Angela et la petite fille qu'avait Benny Eragon dans l'histoire, donc qui est une fille qui entre guillemets voit plus ou moins l'avenir, qui est un peu spéciale et étrange. Et surtout, le truc, c'est qu'elle, comment dire, elle ressent la souffrance des autres. C'est pour ça que c'était pas, voilà, c'est dur pour elle. C'est plus ça que le fait de voir l'avenir. Je crois que je me suis trompée. Mais peu importe, on suit ces deux filles une fois qu'elles sont parties et comment elles vont voir Eragon, elles racontent leur périple. Et la dernière petite histoire, donc là c'est une vraie légende puisque c'est un truc qui se passait il y a très longtemps, c'est une légende Urgal. Les Urgal, c'est une sorte d'orque. Si vous avez vu le... Si jamais vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, on va prendre les Uruk-hai. Hein, bah c'est pas vraiment des orques, qui sont un peu plus musclés, plus badass. C'est pas des trolls non plus. Voilà, donc c'est l'un des deux. Et donc c'est une légende donc avec une Urgal femelle qui a niqué le game, hein, on peut dire ça comme ça, et qui a tué donc un dragon qui menaçait son village. Et donc c'est forcément une figure très importante dans les légendes Urgal et ça raconte cette légende-là. Donc c'était vraiment sympa et je pense qu'il sortira d'autres puisqu'il écrit quand même Légende d'Alagaësia, livre 1. Donc il devrait y avoir Légende d'Alagaësia, livre 2. Je pense. En plus il est en soft touch. Ah il est super ce Bayard. Et donc voilà, c'est la fin de cet update qui devrait sortir courant janvier je pense. C'est ça. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique qui sera, pense pas, peut-être pas janvier. Bon, qui sera soit fin janvier, soit début février, on verra, on n'est pas pressé. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain update ou une prochaine vidéo.